Chers amis et frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons le nom Jésus-Christ. C'est toujours plaisir pour moi de parler de parole, bon Dieu. Nous, moi, c'est frère Ismaël. Je suis content pour nous faire parler de savoir à Soya. On va écouter la lecture ensemble. Dans le psaume 51. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pour un plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Merci et Seigneur, merci pour grâce, merci pour amour, merci pour miséricorde, merci pour compassion envers moi Seigneur Dieu et envers chaque monde qui prend le temps des paroles ça. Je demande que nous nous va édifier. Nous allons faire un travail spécial dans chaque cœur, dans chaque esprit, Seigneur Dieu, qui va entendre les paroles ça. Amen. Psaume 51, c'est David qui est auteur au psaume ça. Chaque psaume écrit dans une circonstance bien déterminée. Mais psaume 51, on voit même dans l'introduction que nous avons fait dans psaume, on dit que c'est lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Bien, David décrit Somza et après que
prophète Nathan était venu côté pour te parler avec lui. Mais c'est tout de suite après que David t'a couché avec Bathsheba. Ok, il est important pour nous parler pour nous dire qui est David lui-même. Nathan, qui est Nathan lui-même? Et qui est tout Bathsheba lui-même? David, c'était roi pays Israël. C'était deuxième roi que mon Dieu avait choisi pour diriger pays Israël. Et premier roi c'était Saül. Après bon Dieu fin rejeté Saül, lui fait choix de David comme roi. Et Nathan lui-même c'était prophète qui était gagné en Israël à l'époque. Et Bathsheba lui-même c'était femme un homme qui était Uri. Et puis un jour Dieu David t'avait tombé sous Bathsheba. Il t'avait mené l'enquête pour connaître qui est Bathsheba. T'avait dit c'est Madame Uri. Il t'avait fait combinaison pour Uri t'avait mourir pour être capable prendre Bathsheba. Voilà. Pour faire Nathan t'avait le côté David. T'avait raconté David une histoire. Et bien t'avait fait parabole. David en parabole. On va dire que comment que la tristesse, comment le penser ça, c'est que un roi que bon Dieu choisit, t'es un serviteur, alors t'es un homme qui est un paquet invité qui vient la Kaili. Et bien un homme ça t'est chargé bien, t'es chargé bête, t'es possédé un paquet de bagages pour le travail pour nous à manger. Mais ses voisins sous côté à serviteur, t'es un seul petit cabri tout son petit mouton. Mais c'est lui qui a tué pour le bail et vite ça au monde. David t'a répondu, non, ça, son qui mérite mourir. Eh bien, Nathan t'a dit, David, c'est vous-même. Vous avez une quantité de madame, ça, vous avez un paquet de madame. Vous avez eu seulement une petite madame qui a gagné, c'est Bathsheba. Vous créez un moyen, ou tuer pour qu'après madame. Dès lors, David t'a rentré dans la conscience. David t'a pas lamenté, mais c'est raison qui va pousser David écrit psaume ça, psaume 51. Quand t'a pas dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Qu'on cite ça seulement, qu'on paquet parole David t'a pas dit. Pour t'avoir lamenté devant mon Dieu, pour t'avoir plongé, t'avoir demandé mon Dieu pardon. Mais c'est pas sous tout verset ça on va chita. Il y a un grand verset on va chita sous lui pour nous parler avant à soya. Grand verset là c'est verset 15 là. Verset 15 là. C'est lui-même qui intéressime à soya. Ça va vouloir dire que l'autre chose pas bon. Ça veut dire que l'autre chose pas intéressé nous. Mais c'est sous ça que nous penchons à Soya. Verset 15 ans, on a le fond de parler avant. Qui ça le dit? C'est j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ça veut dire encore j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Pendant que David a lamenté, l'a demandé pardon, eh bien David fait bon Dieu une promesse tout. David nous comprend ça nous mal dit là. M'aime associer green verse ça même avec un proverbe créole qui dit comme ça de pour passer maladie ou toujours qu'on remède. Vous haïtien fort dans ça. Les haïtiens t'es malade là le cadeau qui doit être prescrit le médicament. Quelque chose à monde, bon là qui a des problèmes là.
bon tout docteur mon ça tout dit mon dans mon chemin dans l'hôpital mais ça docteur dit me prend ça soit mon nan te pas besoin connait mon nan qui doit pas gagner même la javel mon nan doit pas gagner même groupe sanguin avec et mon nan tout vos paquet allergie bagaille mon nan pas gagner si même système ensemble avec lui parce que système défense qui nan corps là et pas lik nan comme nan cellule qui nan corps là pas lik nan comme nan. OK, c'est pas même nous pas galon nous pas gagne même nature corps nous pas même état physique nous pas même nous doit pas capable prendre même médicament mais puisque mon nan te connaissait saleté prend qui te guérit monsieur mon nan vigo dit mon non bon le pour faire ça bon c'est ça haïtien croit dans ça en pile en pile en pile en pile. Eh bien David lui-même, lorsque David fit reconnaître que le péché, il reconnaît que ça a été fait à pas bon, il commence à lamenter devant lui pour demander mon Dieu pardon. Il dit mon Dieu, gain pitié pour moi, parce que son Dieu qui gain miséricorde, eh bien, lave-moi complètement, rende-moi pur, pour me même plus blanc par ses cotons. David commence à plonger dans le bon Dieu, l'humilie. Mais, grand bagaille que David dit, nous mettons l'accent sur ce qu'il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il dit, bon Dieu, si que tout ça que je m'en là, je m'en pardon, je lamente devant, ou rendre moi plus blanc, vrai, ou nettoyer, ou laver, ou pardonner, mais qu'on y a un bras servi en lumière pour les gens qui font péché. Tout le monde avait sous ça même pas tolérer moun péché encore soit moun kounya moi pral enseyo pour pas faire bagay sale ça encore. Et bien combien moun qui comme ça que moun l'a marcher sous la loun roche puis elle frapper la donne li quitter le bon l'autre moun frapper la donne tout non ça pas une bonne qualité ça pas un bon exemple pour chrétien. Chrétien doit agir comme ça que soit moun ne doit agir comme ça. Mais si vous êtes frappé dans une roche pour marcher dans route là, mais pour devoir ou lui retirer roche là et si pas qu'à retirer, ou devez ton si vous dire attention au roche devant, prends précaution pour frapper la donne. Là même comprendre ça m'a dit là. Mais David c'est un monde comme ça David dit. David dit Seigneur, pendant que m'a demandé pardon, je me taire mon pardonner, mais qui travaille que me va faire faux promesse avec mon Dieu. Il dit me va enseigner. Eh bien, retour chemin on a avec moun qui t'a voulu transgresser, avec moun qui t'a voulu pécher. M'bral rendre pas péché, m'bral montrer le chemin, m'bral montrer route là. Et bon Dieu, nos frères et sœurs, captant de m'la, n'arrêt nous comprendre, et ça n'a pas dit, n'arrêt nous mettre accent bien, avant de pratiquer le travail ça. Ça, son bon travail, David, et t'as pral fait, ou t'as pral dit que, eh bien, m'bral enseigner route là. Chemin avec moun qui va transgresser. Et bien là, ou qu'on a marché sur tout vraiment, ou font bagaille qui pas bon, on a dit bon, on a quitté tel pour tomber la donne. Parce que, on a quitté fort le goûter le tout pour le s'il douce. Non, chrétien, il n'est pas comme ça. Péché pas douce. Souvent, dit mon jour, on a pile petit cas de péché, péché douce. Péché, c'est vrai, on doit faire là, mais conséquence là, du tout pas douce. Et bien, ou ça David ouais que Jean bon Dieu bon pour louer pour pécher contre bon Dieu ça pour offenser bon Dieu il connaît comment bon Dieu kakalel comment bon Dieu connaît calé moun comment bon Dieu ça son bon Dieu qui est souverain bon Dieu ça bon il dit bien il t'a remé on pas t'a remé aucun monde tomber dans piège ça ça sous tomber tout à l'heure si vous a pas donné il dit que moi pral enseigner chemin on a à moun pour pas transgresser et puis tout monde qui péché on y a nous toujours souvent disant des dibou peuple créole là de vous passer maladie ou toujours qu'on remède et ben là David qui est en train de remettre le péché. David qui est en train de remettre le monde qui péché. David prêt pour le remède. David prêt pour le doux. Mais qui ça pour faire? Et le doux chemin ça. Je suis tombé là-dedans. Je ne suis pas tombé là-dedans tout. Parce que c'est bon chemin du tout. Qui bon chemin péché.
et mon cher vous tombez la donne. Parce que conséquence là, l'idée a pile, en pile, en pile, en pile. Conséquence là, Dieu. Eh bien, David a le péché, c'est vrai, contre Bathsheba, il a péché, mais ou après, David, son péché, David a fait inconsciemment. Well, immédiatement, le prophète Nathan vient parler de devant. Il dit que, oh, il dit, oh, oui, vous connaissez le péché, oui. Alors, quand il y a un monde, lorsque le monde a commis des bagages pas bon, il n'a pas pris conscience de l'état. Il va accuser l'autre monde. Il va dire, bon, on connaît bagages, la chair est faible. Non, David pas commence à le plaindre pour le chercher excuse. Immédiatement, il est conscient que il péché, il a l'école, il lamenté, il crié. Il n'a pas servi. Orgueil, pour te gonfler l'estomac, pour te dire bon, c'est roi mien. Et pas oublier, il y a un roi. Alors, il y a ça, il y a abus d'autorité. Well, alors, si nous avons tout ça, et non la mort uri, et non péché David contre Bathsheba, il y a abus d'autorité, il y a un roi, il y a un roi qui a couché autant de femmes que le voulait. Il y a un pouvoir ça. Il y a un roi qui a pris les femmes qui voulait. Non mais David pas dit bon c'est moi mieux bon femme moi veut moi carré en femme parce que j'ai l'argent moi occupé bon moi femme moi veut. Non David pas aller comme ça. David pas de penser comme ça. David t'est humilié pour te larguer col à terre pour te demander bon Dieu pardon. C'est ça qui est pourtant chrétien. Lorsque pas digne dit que ou pas qu'à pécher, nous connaissons nul n'est parfait, pas gain monde qui parfait, pas gain monde qui pas péché, nous tous ces pécheurs. Après David dit lui-même, il dit je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Well, David va dire péché contre vous-même seul Seigneur. Et bien quand David va dire puis devant va dire que eh bien moi fais ça qui mal devant Dieu et pas oublier où son Dieu ou veut un monde juste. Devant, besoin monde et pour nous sans reproche devant jugement avec que besoin monde qui sans reproche. Mais David a travaillé pour qu'avin juste une sans reproche devant bon Dieu. En fait David immédiatement connaît que le péché et il connaît sa bon Dieu qu'a fait. Pas oublier qui fait David roi, c'est parce que bon Dieu t'a rejeté Saül. Bon Dieu t'a rejeté Saül, bon David connaît qui sa bon Dieu qu'a fait. Et bon Dieu qu'on calme, même j'ai un bon Dieu son Dieu de bonté que Dieu de miséricorde, mais bon Dieu qu'on calme mon tout, bon Dieu qu'a calé, il va sans raison. Et David tout, pendant que Bible frappe ça, il n'a pas arrêté mon deuxième monde pour la donne. Il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté mon autre monde pour la donne. Il n'a pas arrêté l'autre monde tomber dans le piège ça encore. Il n'a pas arrêté mon autre monde à tomber dans le même face avec obstacle ça. Et ça fait le dit, Seigneur, pardonnez-moi. Pas voyer me jeter loin face ou pas retirer l'esprit son dans moi et ben bon la joie et bien besoin esprit de bonne volonté pour soutenir là combien monde qui t'a aimé que esprit de bonne volonté cap soutenir besoin esprit de bonne volonté c'est ça mais si esprit ça pas le permettre remet frère pareil yo si esprit ça pas le permettre remet prochain si esprit ça pas le permettre remet même monde qui raille ou. Pourquoi David n'est pas tout le monde malgré Saül te gagne orgueil contre lui. Saül te fâché contre David, t'as détruit David, mais David pas jamais pensé un jour pour te détruire Saül parce que toujours dit où c'est loin l'Éternel. David malgré Saül te raille David, malgré Saül t'as cherché tuer David, mais David pas jamais gon l'idée qui dit pour me tuer Saül. Malgré quel côté Saül est livré à David pour David t'a fait quoi que ce soit, salvé. Non, David pas jamais pensé avec ça, mais c'est esprit de bonne volonté ça qui l'a soutenu David. Son esprit de bonne volonté David demandait mon Dieu pour le bali, un esprit de bonne volonté et avec esprit ça qu'on a, il peut enseigner chemin avec monde qui pas connaît. Il peut grand monde qui chemin qui sous chemin c'est vrai mais pas connaît chemin non. Grand monde qui sous chemin c'est monde qui a besoin pour guider yo. C'est monde qui a besoin pour qui montrer au chemin. Malgré ce que vous avez fait, c'est vrai, vous la donne. Mais par contre, si vous faites à gauche, si vous faites à droite,
yon nou vou vez esprit quand il parle de prendre faire à gauche tandis que mon ancien son chemin même il était mais il pas connaît il pas une destination par contre qui côté il praler mais David lui-même lui mandé bon Dieu ça pour bal esprit de bonne volonté pour capable enseigner moun yo k'ap marcher sur route là gen moun k'ap marcher sur salut pour capable conduire mais pour moun qui péché eux-mêmes ça yo rejoindre yo. Combien de monde qui travaille avec pêcheur, combien de monde qui remet pêcheur, et pas vous et pour vous et pêcheur à jeter. Les monde n'a pêché, c'est pas exclu ou exclu. C'est pas sanction ou balou, vous mettez le long chita en bande pour humilier, ou mettez le déon à assembler, ou mettez le déon de mon monde en bas en mine, m'baka chita pas lavel. Nous de rejoindre mon nom pour faire mon nom capable de corriger. Ouais, Jean. Pour faire Nathan Tefel. Il va dire, bon, David, son pécheur que lui, bon, on avait là le coucher, bon, on le voit David chéter. Pour le coup, David, bon cher, son malfaiteur, je dis, non, lui, pas sans parabole avec David, c'est vrai. Alors, yon roi, bon façon, vous parlez avec yon roi. Il parle avec David. Et David, comme yon roi, yon roi orgueilleux comme Saül. C'est pas yon vieux roi orgueilleux qui pensait qu'il gagne sa roule. Et pouvoir sous lui, bon, moun, pas qu'à parler avec lui, c'est pas ça. Puisque David tendait la raison, David humilier. Mais lorsque le fit humilier qu'on y a là, lui mandé bon Dieu pardon. Et l'autre mandé pardon, il y a des promesses pour faire avec Dieu. L'autre mandé pardon. Il y a des promesses qui fait avec Dieu. Et vous dit que il y a bagaille au pape Jean Ferro et qui sont pas le faire qu'on y a. Parce que l'autre qui est là, je venir bagaille ou de partager. Mais c'est ça. Alors moi capable voilà, moi c'est un enseignant. Ça fait que il y a bagaille que moi qui tout la caille moi. Qui va qui tout là quand parce que non partager depuis yon moun ki enseignant la l'apprendre pour le retransmettre la l'apprendre pour le bail et bien c'est ça que lié mais David son moun comme ça que le dire l'apprendre non mais bon Dieu li apprendre mandé pardon l'elle fin mandé pardon qu'on a vini un pardon bien pral aider moun joine pardon tout c'est ça David pas qui me grâce là pour qu'on parle ça dit qu'on est son pécheur c'est vrai mais il dit moi pral rendre l'autre pécheur yo vini joine nous tout. Même j'ai été un pêcheur, pour faire Nathan fait me nous, pour me rejoindre nous, étant que pêcheur, pour me quitter péché, eh bien, je vais l'autre monde tout pour quitter péché, pour venir jouer nous tout. C'est ça que lui, et ça fait, il y a un cantique qui dit ça, et je crois que c'est 125 créoles d'espérance qui dit, et lui, il remet nous, mais en même temps, il raillit péché nous. Alors, bon Dieu, c'est pas. Pécheur là que le raï, c'est pas pécheur qui a problème, mais le problème avec péché, avec Zach que vous commettez là. Et bien, sur chemin, vous avez un monde pour qu'il montre au chemin. Et bien, chaque monde qui l'a, même si que yon monde vient koto la parler avant, ils sont pécheurs quand même. Vous devez connaître qu'ils sont pécheurs, mais ça ne va pas empêcher tout pour le parler avant. Gen moun puisque moun nan bon gon mauvaise conduite li son pécheur pa yon moun ki pa péché mais ça ka arrive que li vinn côté ou li enseye ou li di ou mon cher mec il a pou marcher ça ka arrive malgré gen bagay marcher parce que pa konnen bon Dieu gen doit corriger bon moun son frappe que bon Dieu te calel li pa ta remon tomber nan même ça encore lorsque moun nan vinn do pa fè ça. Ça pas bon, c'est que le thé fait expérience déjà, il n'est pas bon pour lui, il fait une mauvaise expérience. Il n'est pas bon pour lui, il n'est pas vraiment tombé dans ça encore. Il n'est pas vraiment malheur ça, il est arrivé. Il n'est pas vraiment aux victimes, même gens avec lui. Mais c'est ça. David dit Seigneur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs. Reviendra à toi. Un paquet de bagailles dans Somme 51. Un paquet de messages qui peuvent s'intéresser dans les gens de Dieu là. Vous voulez aller avoir ce qu'il y a. C'est ça. Ou d'où une capacité ça. Lorsque bon Dieu finit pardonner, mais pour aller de l'autre monde, jouer une route là. Faire un chemin salut là. Pour nettoyer vous et de suivre servir la lumière pour quelqu'un monde qui est sur route. Quel monde aimait ça? Il y a des gens qui finissent convertis. Premier monde qui est converti dans la famille, c'est lui-même. Après, il rend maman, il rend papa, il rend frère, il rend seul, il vient convertir tout. On a déjà témoigné ça. Il y a des gens qui sont lui-même seul en ce cas-là qui étaient convertis avant. Et puis après, conduite, li, comportement, râle les gens, vini. Mais c'est ça, David a fait. Et ça, David a dit, bon Dieu, je vais le faire. Mais puisque nous avons pardonné, nous avons enseigné la parole avec l'autre monde qui va connaître. Les gens qui pêchent et tout, va mon nan pêcher c'est connait pas connait vérité ya. C'est connait pas connait vérité ya. Ça fait pas humilier pour humilier mon nan pas connait vérité ya, les péchés qu'on a ou pral bal vérité ya. Li pas connait chemin et ça fait le perdu. C'est parce que le pas connait chemin facile perdu. Va ou la pour humilier, c'est montrer pour montrer le chemin
ou pas que l'humilé ou tout mettre le net sur route là. Non. Ou elle est sur route là bien propre, les faire autre couche ou prendre ou redresser ou dire mais côté pour marcher. Mais vrai chemin. Il va dire ou mettre sur route là, ou tout la gueule dans falaise là, ou tout la gueule dans ravine là, ou tout la gueule dans bas pont. C'est pas ça bon Dieu m'a dit. C'est pas ça bon Dieu dit. Ouais, lorsque vous m'avez péché tout, oubliez ou ce péché, oubliez ou te péché tout, le mot Dieu t'a donné. Et pour qui ça lui même tout, on va montrer le chemin, on va essayer de pardonner de le monter route là. Pour ça c'est humilier pour humilier. Pour ça c'est jeter pour le jeter. Non, David dit non, ça n'est pas bon. Il n'y a pas de bonne qualité. Il n'y a pas de caractéristiques qui sont chrétiens. Vrai chrétien, bon chrétien, c'est un monde qui va pécher. Les péchés c'est vrai. Il va retarder, il m'a dit pardon. Bon Dieu pardonne, et bien qu'on y a là le montrer l'autre monde pour ne pas pécher tout. Là montrer l'autre monde, pécher ça pour ne pas faire encore. Il n'est pas bon. Well, même j'en ai pris exemple tout à l'heure, ou saute l'autre marché, puis ou frappe dans une roche, pour devoir, ou doué, avertir tout le monde qui saute là, dit mon a, gros roche, gros saute là, attention, on va frapper là-dedans. Gros saute là, ou est-ce capable de ou les roches là, ou mettre juste sous côté, ou roche à deux honnêtes, pour le monde pas frapper là-dedans. C'est ça, David, t'as pas le fait. David dit, Seigneur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Well, il dit que, moi, pral! Enseigner chemin avec moun qui t'a avlé transgresser à moun qui va le transgresser qui transgresser chemin moun qui perdit route là m'va le montrer au chemin moun qui fait autre cochu m'va le montrer au chemin moun qui t'a avlé tomber dans falaise là m'a montrer au chemin moun qui t'a avlé tomber dans rivière m'a fait au marché droit sous pont c'est ça m'va le faire et après ça il a venir joindre nous depuis montrer au chemin vrai il a venir joindre nous. Depuis que je ne suis pas quitté ou tombé, il y a besoin de nous. Depuis que je t'ai aidé ou levé, nous soutenir dans le chemin, il y a besoin de nous. C'est ça, David. Seigneur, il te voit à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs, vous venez droit à toi. C'est travail d'un ancien pécheur. Il travaille d'un ancien pécheur. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui apparaissent, ils viennent de monde qui fait tout sauver. Ils viennent là, bon, ils te font pas de jambes pécher un jour. Non. Mais là, on raconte tout le dynamisé. La braconto, le pas de machine. La braconto, c'est mauvais la vie. Il va jamais raconter si il te connaît dans vie péché. Il va jamais raconter si il te connaît dans des séries de vieilles bagailles. Il va jamais raconter si mon cher son ancien vol MT. Il va jamais raconter son ancien malfaite MT. Malgré pile fois, on connaît qui dit. Il va jamais raconter si il est ancien et fornicateur. Il va jamais raconter si il est ancien. Et ancien monde qui te connaît et fait adultère. Et un ancien adultère. Il ne va jamais raconter ça. Mais David, étant qu'un ancien pécheur, un ancien et mon qui te fait adultère, lorsque il dit que je suis ancien, je vais un remède pour me quitter ça. Je vais un remède avec Kounia. Je vais l'enseigner. Je vais l'enseigner de Kounia là. Je vais dire, chemin ça va bon. Route ça va bon. Ça, tu vas faire. Je vais ça pour faire Kounia. Mais ça bon Dieu. Et puis moi, tout ce qui fait dans le monde de Dieu. C'est ça. Je dirige tout ce qui fait. On fait le travail ça. Même Jean avec David. On suit trace David pour dire Seigneur, pardonnez-moi. Si vous pardonnez-moi, Seigneur, on va l'aider. L'autre monde vient jouer nous pour ne pas faire pécher encore. Pour ne pas pécher encore, on ne pas désobéir. Mais on a tout péché ça. On va venir jouer nous. On connaît mes pécheurs. On va y pécher. Je connais les pécheurs ou raïs. Alors, raïs les pécheurs. Je connais les pécheurs. Les pécheurs, c'est pour eux. C'est les créatures. C'est ça. Nous connais ça. Nous sommes son bon Dieu qui vivent. C'est ça. David dit Seigneur, enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Et bien, nous sommes contents pour nous faire de parler ça avant. À soi. Nous sommes contents pour nous parler avant des paroles de bon Dieu. C'est pour nous méditer à soi sous chapitre ça, psaume 51. Mais verset 15 là, c'est lui qui était vraiment intéressé nous. Nous chita sous lui à soi pour nous parler avec nous. Pour nous parler avec nous, nous souhaiter que nous continuions à lire chapitre ça, psaume 51. Son remède pour l'homme que lié. Son remède pour pécheur que lié. Son remède pour tout le monde qui t'a appelé marcher droite. Devant mon Dieu, son remède pour tout le monde qui t'a rien qui remet monde et bon côté yo, son remède que lui, t'a remet joie un salut, son remède que lui, t'a remet on continue lire psaume 51 verset par verset
et médite chaque verset au loin. Médite sous lui. Réfléchis sous lui. Moi, je l'entends m'appeler l'isome 51. Mais, pas trop longtemps, je suis tombé sur le verset 15 là. Je réfléchis sous lui. M'imagine l'étiquette. Quand on verset, monsieur, je voulais appliquer dans la vie. Je m'aide l'autre monde. Je mon Dieu, comme un ancien pécheur. Je vais quitter le péché. Comme ça, je vais aider l'autre monde pour ne pas tomber dans le péché. Parce que, conséquence péché, il n'est pas douce. Que mon Dieu bénisse. Et de frère Ismaël Joassin, dans le Seigneur.